C'est le grand jour! Après, j'aurais dû me chauffer la voix. Je ferme. Nouvelle collection Body Time, c'est en ligne, c'est sur www.bodytime.fr. C'est la vraie, de vraie. Ça fait combien de temps qu'on bosse là-dessus? Des mois. Des années qu'on préparait juste cette collection. Vous imaginez même pas la fierté qu'on a là de présenter ce que. Petit logo brodé. Donc, déjà, tout est nouveau. Tout ce qu'il y a sur Body Time est nouveau. Donc, on va vous expliquer l'histoire. Déjà, juste pour dire, il y a beaucoup plus d'articles que d'habitude. On a même fait des caleçons, on a fait des brassières. Bref, il y a 30 articles hommes. Et surtout, on ne les a pas oubliés, les femmes. 14 articles femmes qui sont vraiment stylés. On s'est pris la tête. On va vous expliquer tout depuis le départ. En fait, donc, vous vous souvenez certainement, ça a commencé avec les débardeurs et les t-shirts. Il y avait on mange propre, on s'entraîne sale, tu squattes au bar, je squatte au bar, ouais. Ta jalousie, ma réussite, garder la pêche. On avait plein de slogans comme ça. Et donc, nous, ça faisait longtemps qu'on voulait faire à cette époque-là des sapes. Et on avait cherché comment on commence à faire des sapes, etc. On voulait faire une marque au début. On s'est vite rendu compte que pour faire une marque, déjà, il fallait commander des quantités astronomiques. Qu'il y avait beaucoup de frais annexes, que ce soit faire des patrons, faire des prototypes, etc. Donc, on a fait, comme beaucoup de personnes qui se lancent, on a fait du merchandising. Qu'est-ce que c'est? Ce que vous retrouvez de partout en général sur YouTube. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais, on ne critique pas. C'est, en gros, c'est des t-shirts qui existent déjà, qui sont publicitaires, standardisés. Donc, il y a des coupes, on choisit la coupe, cintré, large, etc. Et on va prendre ces t-shirts-là et les floquer à notre nom. Mais voilà. C'est pas une marque, c'est-à-dire que sur l'étiquette, ça sera, je sais pas moi, il y a du Fruit and the Loom, il y a des trucs comme ça. C'est Gildas, machin, Gildas, comme Gildas, etc. C'est juste vraiment, vous mettez votre logo, après vous pouvez changer l'étiquette, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'avantage, c'est que ça coûte moins cher, qu'il n'y a pas trop de risques. L'inconvénient, c'est qu'on ne faisait pas ce qu'on voulait. Oui, et ça coûte moins cher parce qu'ils en produisent pour tout le monde, énormément, donc ils font des quantités astronomiques. Mais c'est des t-shirts avec des formes que vous ne pouvez pas vraiment choisir, vous choisissez dans un catalogue. Et au départ, on était parti à Londres, je ne sais pas si tu te souviens, enfin, si tu te souviens forcément, toi, eux, peut-être ils ne se souviennent pas. On était parti à Londres parce qu'on voulait une marque qui coûtait quand même assez cher, qui s'appelle Continental Clothing. Et ils étaient les mieux réputés en termes de qualité. Voilà, la qualité était top, c'était en fibre de bambou, sauf que ça nous a coûté quand même assez cher, bio. Et on avait fait quand même une belle finition, l'étiquette, des petits rajouts et tout, mais ça nous coûtait quand même assez cher, c'est vrai. Et on s'est dit, le problème, c'est qu'on n'est pas rentable là-dessus. Mais ils avaient marché quand même. Par rapport à... Ils avaient marché, nous, ça nous faisait plaisir que les gens portent ça. Après, c'est sûr que c'était pas super rentable. Et du coup, après, on s'est tourné vers des marques un peu, on va dire, plus communes que les gens utilisent en France. Et c'est vrai que la qualité, elle est moins bonne. Ouais. Et c'est ce qu'on déplorait un petit peu, c'est que des fois, on se rendait compte que nous, on portait des vêtements où la qualité, elle n'était pas top. On se disait, on peut pas faire grand chose parce que voilà, c'est comme il l'a dit, c'est pas notre marque, c'est pas nous qui choisissons la qualité des tissus, c'est pas nous qui choisissons la qualité des coutures, ce genre de choses. C'est ça. Et du coup, on restait un petit peu sur notre faim. Donc, depuis très longtemps, on s'est dit, dès qu'on peut, on lance notre propre marque, on a commencé à designer. Donc, ce que vous voyez, c'est nous qui les avons. On les a dessinés nous-mêmes. Donc, là, PJ, vous voyez, lui, ce qu'il voulait faire, c'était un truc très sobre. Il a fait une veste, je me souviens, il me disait, moi, je veux une veste de survêt qui ressemble un peu à une veste pour sortir, mais où t'es à l'aise dedans, tu peux bouger, un truc très classe, sobre et tout. Je pense que t'as réussi ce que tu voulais. Moi, j'ai fait une collection qui est noire et grise, et kaki, pardon, noire, grise et kaki. Et Alex, il a fait deux couleurs. Ouais, moi, j'ai fait beaucoup de crème et du noir. Voilà. Avec, donc déjà, c'est très compliqué de mal assortir les vêtements dans la collection. On a fait exprès que tout aille ensemble, qu'on puisse switcher et tout, donc... S'il vous plaît, choisissez correctement vos articles. Juste pour revenir sur ce que disait PJ, après Londres, on a décidé de se fournir à Paris. Pourquoi? Parce que déjà, tous les Européens se fournissent à Paris. La plupart des boutiques qui sont en Europe viennent à Paris, à Aubervilliers plus précisément, pour se fournir parce que tous les grossistes se trouvent là-bas. Et c'est tenu par des Chinois à 99,9% avec des produits qui viennent de Chine. Même nous, on s'est fait avoir, en fait, c'était Made in Italy. Sauf qu'en fait, tout était fabriqué en Chine et puis ils faisaient un tout petit détail en Italie. Donc, ils pouvaient mettre Made in Italy. On se disait, mais la qualité, ça ne correspond pas à ce qu'on veut et tout. Ça ne veut pas dire que tous les Chinois font de la qualité mauvaise. Mais en tout cas, ce qu'il y avait sur le marché à ce moment-là, c'était moyen, on trouvait ça moyen, donc on a travaillé une ou deux fois avec ces personnes-là, et puis après, un peu plus avec un Turc qu'on avait rencontré là-bas, il avait une qualité un peu meilleure que les autres, et il nous disait qu'en Turquie, on pouvait avoir des qualités exceptionnelles, et après, on s'est renseigné, etc. C'est vrai que dans le monde entier, les Turcs, ils sont les meilleurs textiles, sur le coton. Sur le coton. C'est vraiment, nous, dans le sport, c'est ce qu'on cherchait, des mélanges de coton et d'autres matières pour, par exemple, avoir un côté stretch et tout.
Mais on est vraiment parti là-dessus, on a commencé à se renseigner, comment mélanger un peu les matières, qu'est-ce qu'on pouvait avoir. On a travaillé pas mal avec lui, comme il l'a dit Alex, et ouais. C'est le même problème qu'on avait à l'heure actuelle avec Hades. Ceux qui suivent et tout, c'est que Hades, bah, c'est la même chose. On se fournit à Aubervilliers comme la plupart des boutiques que vous retrouvez en France. Donc les produits souvent sont stylés, mais la qualité, ça ne suit pas très bien. Et vous verrez très bientôt que du coup, Hades, ça va complètement évoluer, complètement changer. En fait, ça devient une marque, tout comme Bodytime. Voilà. On fait tout produire, on dessine tout nous. Nous, on n'est pas là, ça arrive bientôt. Là, pour l'instant, on vous parle de Bodytime. Et puis, donc pourquoi on a arrêté justement de travailler à Aubervilliers? Parce que, encore une fois, c'était bah, des t-shirts, enfin des tenues qui existent déjà. Après, on est arrivé à un moment donné, il y a presque 6 mois, 1 an, à acheter assez de quantité pour pouvoir customiser les produits. C'est-à-dire que chaque produit, bah voilà, on prenait un survêtement, on disait ce survêtement il est pas mal, ok on est obligé de garder ce tissu-là, mais par contre je veux que la fermeture éclair elle monte jusqu'ici, qu'il y ait un cordon en plus là, un peu plus cintré, un peu plus long derrière. Une poche ici en plus. Voilà, on pouvait modifier parce qu'on faisait des assez grosses quantités. Là on était super contents, on s'est dit ouais c'est super et tout, mais il arrive toujours un moment où ben non mais tu veux pas cette matière, tu veux un zip plus comme ça, et puis... Voilà, on était assez coincés parce qu'on va chercher des modèles qui existent déjà. Donc... C'est dans les détails qu'on arrive à faire des choses vraiment bien. Et si par exemple, il dit Alex, je veux ça, mais à peine plus stretch ou moins stretch, il faut pouvoir jouer sur quelques pourcentages de la scène, par exemple, dans le matériel. Et du coup, bah, ça, on ne pouvait pas le faire. Et c'est vrai que des fois, on était toujours un petit peu déçus de se dire, bah, c'est bien, mais on aurait aimé un peu plus stretch, un tout petit peu plus long, 1,5 cm. Quoi. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est sûr que c'est un métier de ouf, on ne s'attendait pas à ça. Nous, quand on s'est dit, on va inventer une marque, ah ouais, je dessine un t-shirt, je trouve un t-shirt que j'aime bien. Ah, c'est un boulot de malade, mais qu'est-ce qu'on est content au final de porter des sapes vraiment qu'on a choisi, qu'on a dessiné, alors qu'on ne savait pas dessiner, voilà, il y a tout. Moi, j'ai fait, comme je vous disais, ma collection, elle est crème et noire. Et à chaque fois que, par exemple, sur cette tenue qui est crème, vous avez les traits qui sont noirs. Donc, je peux mettre le bas noir avec les traits crème, le haut crème avec les traits noirs. Et inversement, ouais, on peut vraiment tout mixer. Et PJ, il a fait exactement la même chose avec sa collection. Vous allez voir que c'est deux styles différents. Mais on a essayé d'être sobre, assez classe et original. C'est compliqué de faire tout ça avec de la bonne qualité. Voilà, pour réussi, les femmes, c'est le même principe. C'est noir et gris, d'accord. C'est Vanessa, la sœur d'Alex, qui a designé et tout, elle a fait un super taf, les produits sont vraiment top. Femme, c'est là je pense qu'on a eu le plus de problèmes, notamment les brassières. Ouais, parce les retouches. Qu'on voulait une qualité vraiment top, il fallait que ce soit très stretch. On voulait, les filles, toutes celles à qui on a demandé, elles voulaient un zip au mieux, donc on a mis un zip, c'est un peu novateur. C'est un beaucoup truc. Plus simple à mettre, ouais, les brassières. Qui maintiennent très bien. Voilà, des coques qui prennent bien la forme du sein, ça, bref, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Maintenant, on est presque spécialiste de brassières. Et vous allez voir que soit homme ou femme, normalement, la qualité elle est top. On essaie encore d'améliorer dès qu'on voit un détail qui nous plaît pas, on essaie de l'améliorer. Mais les prototypes, pas déçu. En moyenne, on en a reçu 7 ou 8 par article pour avoir le bon. C'est-à-dire que ce pull-là, on a reçu un premier modèle qu'on a renvoyé. Enfin, vous voyez qu'on va souvent aussi à Istanbul, donc souvent on se déplace aussi. On y va, on dit ben non, ça va pas, il faut revoir ça. Ah ben non, ça va pas, il faut revoir ça. Et parfois, on arrivait presque au bout et il y avait l'erreur du début qui revenait. C'est vrai. Donc, ouais, c'était interminable, mais elle est là, c'est en ligne. Donc, voilà, il l'a dit, Alex, c'est que nous, maintenant, on fait tout produire à Istanbul. On va dire en tout cas plus de 95% de la collection, c'est tout fait là-bas parce que c'est là où on trouve que la qualité, elle est quand même très bonne. On a visité les usines, les gens, ils travaillent avec nous dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on y va le matin, on discute, on boit d'abord le thé, on mange 2-3 gâteaux turcs baklava et ensuite, ils se mettent au boulot. Le soir à 18h, ils ont fini. Et ça, c'est une chose aussi où on voulait insister, c'est qu'on ne voulait pas que les gens ils soient exploités. Vous pouvez faire en Chine, au Bangladesh, tout ça, on trouve des usines qui font des petites quantités. Mais on se disait, on veut pas être un Primark où les employés sont exploités et tout. On voulait quand même pouvoir dire, on vend. Alors, ça coûte plus cher, mais on garde notre honneur, on n'exploite pas les gens. Je veux dire, ils font de l'argent aussi, ce qui est normal. Et ça a un coût, on peut pas acheter un t-shirt à 1€, c'est pas possible. Ouais, exact. Et puis surtout, si on faisait produire en Chine, même si eux, ils assurent que tout est super bien respecté, il faut y aller, il faut voir. Puis nous, on aime bien être sur place, on aime bien discuter avec les mecs qui tiennent les usines, etc. On a kiffé de ouf, en tout cas, faire ce projet. On lance exactement la même chose sur Bodytime. C'est reparti.
J'espère en tout cas que ça vous plaira. Voilà, vous avez vu, donc on a fait 3-4 jours à Istanbul avec tous les influenceurs pour qu'ils voient les vêtements. Ils les ont testés, ils ont tous kiffé. Les retours, ils sont super bons. Les influenceurs, c'était pour la plupart, il y avait des youtubeurs. C'était pas que des gens du fitness, vous allez voir. C'est possible que vous regardiez des vidéos sur YouTube et vous allez tomber sur des gens qui étaient avec nous à Istanbul parce qu'on les a invités. Des gens qu'on aime bien. C'était cool. Et aujourd'hui, donc, c'est le grand lancement. On espère vraiment que ça va vous plaire. Nous, c'était un réel plaisir à faire. Si vous avez des retours, vous pouvez mettre directement l'avis sur les produits ou bien sûr nous contacter par mail. On prendra en considération. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. Et bien sûr, ce qui cartonne le plus... Non, dis pas, ça va être là. On vous dit à très vite. Et surtout d'ici là, gardez la pêche.